أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاتحة الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Rabbi Zidna Ilman. Voilà, prière nous augmenter nos connaissances du Coran. Amin. Regarde bien cette sourate avant qu'on aille à la nouvelle lettre. On essaie de retrouver les lettres qu'on a déjà étudiées ici. Ça, c'est Alif, la première. La deuxième, c'est Lam. Je te dis Djalassa. Tu te rappelles Djalassa, Lam. Ça, c'est la lettre Ha. De Hamidou. Ça, c'est la lettre qui est petite là, on ne l'a pas bien écrit, mais c'est la lettre Mim. On ne l'a pas encore étudiée. Ça, oui, ça, c'est la lettre Dal. Et Dal. Et c'est Mamadou. Ok? Ça, c'est. Ok. Bon, ça, c'est la lettre Lam. Ça, c'est la lettre Lam encore. Ça, c'est la lettre Ha. Tu te rappelles cette lettre Ha? Cette lettre Ha. On ne l'a pas encore étudié, mais ça ressemble un peu au triangle de Tamar Bouta, n'est-ce pas? Et on ne l'a pas encore étudié, on va l'étudier bientôt. Ça, c'est la lettre Ra. Ça, c'est la lettre Ba. Ça, c'est la lettre Lam. Ça, c'est la lettre, on ne l'a pas étudié. Le canard est là, hein? Tu l'as vu, le canard? Le canard est là, tu le vois? Oui, il vient rendre cette lettre Mim vers et long. Mi à la mine, ok? Ça c'est hein? Qu'est-ce qu'il allait dire? Ok, ça c'est la lettre. Oui, c'est deux pieds. Ça veut dire les deux pieds, hein? Les deux pieds du canard. Et ça c'est la lettre. Ça c'est la lettre Mim. On lui donne le son I. Et ça c'est la lettre Noun. On lui donne le son A. Donc pour fantaisie, le gars a écrit le A très long. Oui, c'est t'as vu celui-là aussi, l'a mis très long, ok? Quelle fou fantaisie. Okay? Ça, c'est la lettre Ra. Ça, c'est la lettre Ha, Hamid. Okay? Ça, c'est la lettre Ra. Ça, c'est la lettre Hamidou. Qui est long. N'est-ce pas? Ça, c'est la lettre Lam. Ça, c'est la lettre. Non, ça, c'est la lettre. On n'a pas encore étudié. Ça, on a encore étudié. Ça, c'est la lettre Ya. Le canard est là. Le canard est là. Ok? Le canard est là. Alif avec Hamza qui lui donne le son I, okay, au début, oui. Ça, c'est la lettre, on l'a pas étudié, ça, c'est la lettre B, au lieu de le son U, n'est-ce pas? B, quelle est la lettre qui a un petit tic? Ok, B. Ça, c'est la lettre Dal, Muhammadou, ok? Nahboudou, ok? Ok, ainsi de suite, je pense, yeah, on y va. Voilà. Ça, c'est la lettre Dal. Dal. La lettre Dal. Dad. Le sévère. Dad, le sévère. Ok? Yeah. Oh, oui. Ok. Voilà. Et ça, c'est la lettre Ya. Il est venu. Tu as vu le Ya? Il vient. Comment ça s'appelle? Le canard, il vient partout. Hein? Dès que tu as un I, le canard se présente. Et je suis là pour rendre la chanson beaucoup plus adaptée. Ok? Donc, c'est. Voilà Daline, on sait voilà Daline, un tout petit peu, hein? Je rends ça un tout petit peu juicy. Alhamdulillah, que Dieu nous incruse nos connaissances. On va avancer pour notre prochaine lettre. Amin, amin. Ça, c'est la lettre arabe par excellence. J'ai dit Kha, Aïn, Gaïn. Et quelle autre lettre? Za. And some other, quelques lettres. But celle-là, Aïn, en Kha, ça, c'est vraiment arabe.
Le gars parle, s'il met ça, tu sais que ça, c'est bon, tu as écouté. Donc, ça, pour vous, merci. J'ai passé un mois à répéter ça devant, ça veut dire les gens avec qui on étudiait à Michigan. On a toutes les nationalités, du Pakistan, l'Inde, de l'Inde, aux pays arabes, l'Égypte, tout ça là. Mais le gars qui nous enseigne, il est professeur d'arabe là-bas, il est libyen, de la Libye. Il est de la Libye. Donc il se débrouille un tout petit peu avec le français. Quand je dis ça, il faut mettre. Ah, tu fais là où tu sais le truc là, le truc qui. Attends, on va voir. Tu vas voir où le son va sortir. OK? Cette lettre, on l'appelle Aïn. Regarde comment elle s'écrit au début du mot. Et quand elle est au milieu, elle devient black. Je l'aime bien. Elle devient noire. Toute noire, complètement. Tout est fermé. Qu'un doudou. Quand elle est au milieu, tu as vu? C'est elle, quand elle est fermée, et il n'y a rien au-dessus d'elle. Oui. Et regarde bien. C'est un peu différent. Tu as vu le petit machin qui traîne un tout petit peu par là? Petit là? Le petit machin qui traîne un peu. Tu as vu ça? Ça, c'est pour en faire la différence avec d'autres notes. Mais quoi qu'il en soit, elle est devenue noire. Les autres qui auront peut-être, qui ressemblent à ça, ne sont pas fermés. OK? Donc, mais le petit machin là, tu as vu le petit machin qui vient, tu dis, oui. Ici, à la fin aussi, il est ici, hein? Il est ici. Gaïn, est-ce qu'il est dans la. Attends, je vais retourner sur le Coran. Est-ce qu'il est ici bien écrit? Ici, on l'a pas. Naboudou. Non, elle est écrite, mais c'est pas. Je vais qui? Zoomer. Ok, tu l'as vu ici? Tu as vu ça ici? Là où oh non, oh, j'ai pas. Quand j'ai zoomé, j'ai perdu mon. Ici, hein? Je vais zoomer et tu vas regarder. Ok, tu as vu comment c'est? Okay, voilà, il a le petit machin là. Oui. Dans certaines fontes que j'utilise pour écrire certains caractères, ça sort très bien. Mais tu ne pourras jamais le faire. Ils le font de telle façon que tu ne vas pas le confondre avec une autre lettre. Okay? Alors, on avance ici. Elle s'appelle, d'où est-ce qu'elle nous sort? Regarde très bien, d'où est-ce qu'elle nous sort cette lettre-là. Je regarde doucement. Oh, elle est Aïn. Aïn est là. Tu as vu où elle sort? Tu as vu ce truc-là? Ce truc où chez les hommes ont ça, le petit machin du cou là. Mais pas les deux traits, mais le petit. Pas les deux traits, mais les hommes ont ça. Donc ça sort. Comment on appelle ça en français? Des hommes, oui. Aïn, là, il sort presque là-bas. Il faut le faire tout pour le sortir là-bas. Et ça, quand tu entends, il y a un gars, l'imam d'une des mosquées ici, il est aussi de Jordanie. Il est de Jordanie. Son Aïn, quand il parle, il y a un mot, il y a Aïn là-dedans, il le sort parfaitement très. Et quand il a la lettre Ha, la lettre, il le sort. Quand il récite, il récite la prière, ça sort très bien. On le sent. Certains, tu ne sens même pas. OK. Donc, Aïn, 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 Aïn. OK. Ça va venir, mais c'est un A. OK. Ça représente un A. Quand on s'habitue, après, tu pourras savoir comment ça se passe. OK. Voilà. On l'appelle A, I, U. An, in, un, a, i, ou, a. So here, ça, quand on a pour dire ce mot-là pour dire ça, c'est parfait. Pas tous les Arabes, mais il y a certains qui savent le dire, qui savent le faire. Okay? Il faut qu'ils mettent ça. Le gars de Libye, là, lui, il le met. Il m'a fait. On a passé des temps à le faire. Non, 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 c'est pas ça. Jusqu'à ce que je dis, mais je pense il faut tolérer certaines choses. Et quand on n'arrive pas à dire ça, c'est pas la peine. Ok. As long que le mot qu'on récite ne donne pas un autre sens arabe qui est mauvais. Ok. Aïn. Ok, allez-y. Aïn.
Anne. Un. Allez-y, un. Celui-là, il faut faire le dernier mot qui s'est dit ah, ah. C'est comme s'il y a deux A, n'est-ce pas? Ah. Mais l'autre fait qu'il sorte en bas, c'est ah, ah. C'est très difficile. Bon, bah, c'est de vrai, on est des Africains. Okay. Je le dis toujours, mes parents arabes là, je leur dis, mais vous n'avez pas de papa. Vous n'avez pas de papa. Ok, just calm down. Ok, bien. Ok, let me see. Read one more time. A, I, O, am, in, un, a, I, O, a. Allez-y. Très bien. Let's go to Alec. On va aller lire. Hein? Ça, c'est la lettre qu'on vient de voir. A, in. Et ça, c'est la lettre qu'on la connaît. C'est la lettre Ya. Qui est silencieuse, le canard, très bien, silencieuse. Et ça, c'est la lettre ba, on l'a donné le son un. Aïe, bun. A, batun. Ça, c'est la lettre ba, on l'a son, ça, c'est la lettre tamarbuta, on l'a donné le son un, ok? Ça, a, run. Très bien. Ah, ça. Fais tout pour que le A la sort au petit machin des hommes. Hein? Okay? Ça. Très bien. Ok. Chari A tum. Très bien. Je l'entends très bien. Ok. Araboun. Très bien. Ça a datoun. A zatoun. A datoun. A datoun. Okay. Sata hun. Sata hun. Très bien. A irun. A ba hun. This is not hun. Non, j'ai introduit cette lettre-là qu'on vient de tuer. Tu regardes là bien. C'est celle-là, n'est-ce pas? Mais j'ai mis un truc dessus, n'est-ce pas? C'est la prochaine lettre. J'ai mis ça là-bas pour un peu d'ingrédients dans la sauce qu'on mange là. Ok. J'ai amené du baguette à côté du chibien. Ok. Abahun. Non. So, this is gain. Cette lettre-là, elle gain. Ok. On dit Abagun. Gun. Ok. Bah. Da. So, voilà. Ce mot-là, c'est dans le Coran. C'est là où c'est le vrai mot, le mot parfait dans le Coran. Barda, 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 before, barda, before, that means before, ok? Il est dans, mais il n'est pas écrit comme ça. Le da là, il est écrit avec da, ok? Barda, c'est barda. Yes, ça c'est vraiment. Quand tu dis ça vient, c'est bon, ok? Ou datum. Za a ra. Za smiling. Ça, c'est le za qui souriant. Tu fermes la bouche, tu fermes les dents, et tu smiles, et tu souris, et tu dis za ra. Za a ra. Allez-y. Ok, on a fini cette leçon. Je vais arrêter. On va aller à la prochaine lettre. Je vais arrêter l'enregistrement.